Une recette très goûteuse et originale autour des gambas. Je vais commencer par préparer le bouillon dans lequel je vais cuire mes gambas, la nage. Je mets dans un récipient creux mon vin blanc, le vinaigre balsamique blanc, l'eau, les épices, le sucre. Je laisse bouillir et frémir doucement. Dans une autre casserole, je verse le jus d'orange que je vais laisser réduire à consistance sirupeuse. Les gambas, j'enlève la tête et je décortique toute la queue sauf le dernier anneau. Incisez le dos des gambas et enlevez l'intestin si nécessaire. Épluchez la poire. A l'aide d'une grosse râpe ou d'une mandoline, taillez la poire en grosse julienne. Procédez de même avec les courgettes sans les éplucher. Mélangez la moutarde avec la réduction d'orange. Poivrez. Salez. Et ajoutez l'huile progressivement. Vous pouvez réaliser cette opération à l'aide d'un petit mixeur aussi. Ajoutez quelques gouttes de vinaigre. Vous devez obtenir une consistance de mayonnaise semi-liquide. Je poche mes gambas dans la nage bouillante 2 minutes. Au centre d'une assiette, dressez le mélange de courgettes et de poire. Posez les gambas sur les légumes. Saucez généreusement sur et autour des gambas. Ajoutez une gousse de vanille fendue en deux à la réduction du jus d'orange pour une note d'exotisme.